En 2021, on estimait que sur Internet, il y avait 1,8 milliard de sites Internet. Ça fait beaucoup là, non? Et pourtant, on passe notre temps sur combien? Allez, 5 ou 6 sites maximum. Sauf que Internet est rempli de gens ravagés qui font des choses extrêmement bizarres. Aujourd'hui, je vais explorer les sites les plus bizarres d'Internet. Oui, ça c'est si vous aimez bien, on fera plusieurs épisodes. Comme par exemple ce site internet qui vous propose de designer le prochain iPhone. Allez, on va mettre une petite caméra frontale. Bon allez, pourquoi pas une petite deuxième. Allez, une troisième, jamais deux sans trois. Une encoche sur le côté. Tiens, et des petits yeux rigolos, c'est sympatoche. Un logo de pêche. Exactement, bien renseigné toi. Allez, des petites ailes d'hélicoptère. Je vous présente l'iPhone 16, disponible à partir de 1 rein, avec possibilité de payer en 3 fois. Non mais à la limite, s'il y a bien une personne qui peut se permettre d'acheter un iPhone, c'est Bill Gates. Et ça tombe bien, c'est tout le concept de ce site, puisqu'il vous permet de dépenser la fortune de Bill Gates. Imaginons que je veuille acheter une petite Rolex, plutôt 1000 Rolex. Voilà, allez, on se fait plaisir. On peut acheter une petite Mona Lisa, une petite dizaine de Boeing 747. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Et 3 bateaux de croisière. Non mais on sait jamais, si jamais il y en a un qui est pris, comme ça j'ai l'autre. Un hélicoptère Apache, 3 yachts, une centaine de tanks, 12 villas, 800 franchises McDonald's, 7 Ferrari, 81 Tesla. Là, avec tout ce que j'ai acheté, il me reste 79 milliards de dollars. Mais s'il y a bien un truc que l'argent ne peut pas acheter, c'est la compétence de faire un cercle parfait avec une souris. L'objectif de ce site, c'est de faire le cercle le plus parfait possible. 95,9, c'est pas mal. Et évidemment, le Saint Graal, c'est de faire 100%. J'ai déjà vu des gens faire des cercles à main nue, mais je crois que c'est parce qu'ils utilisaient leurs épaules comme si c'était un compas. Et je crois que j'illustre parfaitement le dicton la chance du débutant parce que j'arrive pas à faire plus de 95% en fait. Ok, qu'est-ce qui se passe si j'essaie... Ok, j'ai une idée. Ah, je peux pas faire des cercles tout petits. Ok, c'est vraiment impossible de tricher à ce site et j'arrive pas à refaire mon score, j'ai trop le somme. Dans le même genre, ce site est censé évaluer ma perception du temps. C'est-à-dire que là, je vais devoir cliquer 10 fois à exactement une seconde d'intervalle. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Vous voyez, le chiffre qui s'affiche au-dessus, c'est la différence de temps avec une réelle seconde. J'ai une précision de 94%. C'est vraiment bien, non? Et j'ai fait un perfect aussi, hein. Je vais vous faire une confidence, les gens. J'ai un super pouvoir, c'est que je sais systématiquement quelle heure il est. En fait, c'est-à-dire, j'ai beau ne pas avoir de montre, genre à 5 minutes près, je sais tout le temps quelle heure il est. Ma théorie, c'est que je suis trop angoissé du temps qui passe, qui devrait empirer après avoir fait joujou sur ce site. Il faut que je rentre ma naissance, à savoir le 15 octobre 1998. Oui, je suis officiellement plus considéré comme jeune. Non, pas la peine de me le rappeler. Mais ce que fait ce site, c'est qu'il va me donner les achievements de ce que les gens connus ont fait à mon âge. Genre, par exemple, Picasso, à 25 ans, il a peint les Demoiselles d'Avignon. Bon, je vous avoue, ça me touche pas particulièrement dans la mesure où je ne poursuis pas activement une carrière dans l'art. Par contre, c'est à cet âge-là, par exemple, que Larry Page a fondé Google. Ah, Louis XVI est devenu roi à 21 ans. Quand on y pense, ça devait être bien le bordel quand même, quelqu'un de 21 ans qui dirige un pays. Bon, ça va, je me rassure en me disant qu'il y a des mecs qui sont quand même bien plus tard. Voilà, Benjamin Franklin a aidé à faire la déclaration de l'indépendance à 71 ans. Ça va, j'ai le temps. Ça, c'est une couleur. Il faut savoir qu'en informatique, chaque couleur est associée à un code hexadécimal. Alors, en gros, vous allez sur Photoshop, vous choisissez une couleur, et là, il y a un espèce de petit hashtag, et ce qu'il y a après le hashtag, ça correspond à la couleur. Bah là, par exemple, il est 3h43 et 55 secondes, et ça change la couleur petit à petit, au fur et à mesure de la journée. Non, mais je vous l'ai dit que Internet était quand même fait de gens bizarres. À la limite, ce site-là est un peu moins chelou. Oui, je sais, on dirait pas, mais je vous jure. En fait, ce que ce site montre, c'est l'aéroport le plus proche de chaque point de la planète. Est-ce que c'est encore une déformation de moi qui kiffe les cartes? Je sais pas. Mais par exemple, on voit que aux États-Unis, voilà, ils sont plutôt bien desservis en termes d'aéroports. En Europe, on n'en parle même pas. Genre, c'est quoi cette densité d'aéroports de zinzin en fait? J'arrive même pas à reconnaître le pays pour vous dire. Le point le plus loin de tout aéroport, c'est ce point-là, voilà, en Antarctique. Et l'aéroport le plus loin de n'importe quel autre aéroport, c'est cet aéroport en plein milieu du Pacifique. Des informations que vous n'aviez pas demandées, mais que maintenant vous connaissez. Bon, sinon, ce que fait ce site, c'est qu'il transforme ma caméra en du ASCII art. Ça a du flow, non? En vrai, c'est pas mal. Bon, là, je suis sur ma page Wikipédia. Je déconne, j'en ai pas. Et vous le savez, Wikipédia est rempli de ces petits liens qui mènent vers d'autres pages. Il y a une théorie qui dit que chaque page est reliée l'une à l'autre par 6 autres pages. Est-ce que c'est vrai? On va faire le test. Par exemple, Minecraft et YouTube. Bon, en vrai, je pense que ça va être quand même très très facile, hein. Il y a une seule page entre Minecraft et YouTube, hein. Ah oui, d'accord, c'est carrément linké, en fait. Oui, bah oui, je suis un peu débile. Entre Minecraft et Louis XIV. Là, c'est du challenge. Oh purée!
Bon, alors il y a 3 degrés de séparation entre Minecraft et Louis XIV. Par exemple, c'est possible de passer de Minecraft à Europe, à Bruxelles, à Louis XIV. Bon, et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre théorie en rapport avec Wikipédia. Une fois, on m'a dit que si on clique sur le premier lien de chaque page et qu'on continue à l'infini, on tombe toujours sur la même page, philosophie. Il y a même une page Wikipédia qui explique ce principe qui s'appelle Getting to Philosophy. Si je clique à chaque fois sur le premier lien, bon là, on est sur la version anglaise de Wikipédia, mais normalement, au bout d'un moment, on devrait arriver sur Philosophy of Language, Analytic Philosophy. Ah, la philosophie est juste ici, mais on n'y est pas encore. Philosophie, ok, on est arrivé sur philosophie. Mais c'est fou quand même, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que certaines personnes se soient embêtées à construire ce site? C'est un site qui me permet littéralement de détruire la Terre quand je clique dessus. Alors c'est très stylé, hein, moi j'aime beaucoup, mais... Ouais, c'est suivant. Bon, alors est-ce que je préférais pas la Terre qui explosait? C'est-à-dire que le mec s'est dit, je vais créer un site internet où je vais mettre un mec bizarre qui, quoi qu'il arrive, me regarde d'extrêmement près et de façon extrêmement détaillée. Regardez, il a même... J'ai un peu peur, voilà, le morse. Vous en avez déjà forcément entendu parler, voilà, c'est une façon de communiquer avec simplement des traits et des points. Par exemple, ça, cette phrase, c'est abonnez-vous. Et bah ça, c'est un site que Google a fait pour apprendre à tout le monde à parler le morse. Et je parle pas de l'animal. C'est nul! Genre là, par exemple, on apprend que la lettre A, et bah c'est archery. Et ça nous donne un moyen mnémotechnique qui est cet arc avec un point et un trait. Point, trait... Voilà, je sais dire A en morse, c'est génial. Vachement bien foutu, hein. Ça a dû prendre un temps de gros malade pour vraiment une utilisation extrêmement limitée. Je pense que, comme tout le monde ici, je vis dans une société capitaliste et donc je croise des milliers de logos tous les jours. Mais est-ce que je les retiens? Eh ben, c'est le but de ce site qui est censé me faire me rappeler les logos de mémoire. Donc genre là, par exemple, McDo. Bon, McDo, c'est un M. Est-ce que c'est ça? Voilà, je suis plutôt chaud. Bon, Nike, Bon, il est dégueu, mais voilà, l'idée était là. Le logo Apple, alors logo Apple, en vrai... Bon, c'est juste que je suis nul en dessin, mais en vrai, oui, l'idée était là, j'ai pas oublié. Amazon, ça je sais, c'est que ça va de A à Z. Ah oui, non, je suis un tobax. Le logo de Twitter, bon, facile. Ah, je croyais qu'ils se sont trompés, là. À quoi ressemblait Internet il y a 10 ans? Eh ben, c'est ce que propose de regarder ce site. Alors, évidemment, il y a plein de sites américains que nous, on consulte pas trop, genre la CNN et New York Times. Mais, par exemple, à quoi ressemblait YouTube il y a 10 ans? Je sais que moi, je traînais à fond sur YouTube il y a 10 ans. Ça va me faire probablement... Oh, non. En 2013, YouTube ressemblait pas à ça, je refuse d'y croire. En vrai, c'est fort possible, hein. Voilà. À quoi ressemblait le site de Apple? Oh, ouais, il y avait cet effet un petit peu glowy, là. C'était la mode à l'époque. Et c'était surtout la sortie de l'iPhone 5C. C'est une dinguerie. On se rend pas compte, on se dit il y a 10 ans c'était pas si loin que ça, mais en fait totalement que si. Allez, un petit dernier pour la route, Amazon, à quoi ça ressemblait il y a 10 ans? Je pense que ça a pas changé. Ah si, ça a quand même un petit peu changé, hein. Ok, non, ouais, ça a un peu changé. On va jouer un petit jeu ensemble. Il va falloir qu'on devine le prix de ce qui s'affiche. Par exemple, cette superbe chaise designée par Gio Ponti, je pense que c'est au moins 1 200 $. Ah, 40 000! Ah oui, non mais frérot, ah oui d'accord, ok, c'est des mises aux enchères aussi, peut-être que ça explique pourquoi. Ok, une peinture d'une couleur unie. Allez, j'ai envie de dire peut-être 200 000 $. Allez, hop, soyons fous. Et pas loin! Eh, 225 000. En vrai, ça me déprime de voir le prix de ces choses. Même Bill Gates, il aurait le seum. Je vais dire 87 000 $. 378 000! Non, mais frérot, je quitte le site. Vous connaissez forcément Google Earth / Google Maps qui vous permet de voir n'importe quel point sur Terre. Mais ces tarés, ils ont pas le temps. Ils ont aussi fait Google Moon. Alors, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir en 3 dimensions? Non, j'ai pas l'impression. Mais en gros, ça permet d'avoir un scan de la surface de la Lune. Et je vais pas vous mytho, c'est ultra détaillé le bail. Bon, forcément, c'est des images de la NASA. Je pense pas que Google se soit ramené avec Street View sur la Lune. Quoique, peut-être que le rover, il était... Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait 1 000 milliards de $? Eh ben, c'est ce qu'a essayé de faire ce site. Par exemple, on peut voir que Amazon vaut 1 000 milliards de $. 20 milliards, c'est le PIB des États-Unis. Est-ce qu'il y a la France? Ah, 2,6 milliards. Enfin, 2,6 000 milliards, la France. 30 000 milliards, la dette des États-Unis. Alors ça, c'est un truc intéressant. 89 000 milliards, c'est l'investissement en termes d'infrastructure qui est requis avant 2030 pour garder le monde sous 2 degrés, qui sont les recommandations du GIEC pour pas que ce soit la sauce sur la planète. Et 158 000 milliards, c'est la fortune totale des 1% des gens les plus riches de la planète. C'est-à-dire qu'on prend la moitié de ce qu'ont les gens les plus riches de la planète, normalement c'est suffisant pour régler l'histoire des 2 degrés.
évidemment à prendre avec une pincée de sel parce que voilà, c'est des chiffres mis comme ça, on sait pas si c'est vraiment très exact, mais je trouve le site est intéressant en termes de visualisation. Ouais. Est-ce que vous aimez bien avoir des bruits ambiants, genre quand vous travaillez? Genre, je sais pas, moi, avoir par exemple un petit bruit de pluie, est-ce que ça vous détend pas? Genre en mode, ça vous met dans un mood de focus? Peut-être que vous êtes plus le mood coffee shop avec des petits bruits un petit peu en arrière, moi je sais que j'aime bien. Ou alors carrément de la musique lofi. Yo! Bah, c'est le principe de ce site. En fait, le mec a littéralement regroupé tous les sons que les gens utilisent pour se concentrer. Et bah, tu peux faire ton petit mix, voilà. Hop, un petit peu de pluie, des petites vagues, du vent. Allez, un petit beat lofi, un bruit de dentiste. Ah, c'est horrible! Un bruit d'hôpital. De vaisseau alien. C'est excellent! Attention, de sirène nucléaire. Je vous mets au défi de travailler avec ça dans les oreilles. Bon, et évidemment, j'ai testé avec tous les sons au max pour voir ce que ça donne. C'est vraiment bien pour se concentrer, pour travailler! Alors, je me demande juste jusqu'où ça va aller, parce que j'ai l'impression qu'il y a des pop-up à l'infini, et il y a peut-être moyen que ça soit réellement infini. Allez, regardez, là, il y a une espèce de pop-up qui me demande d'activer les notifications, mais je peux même pas cliquer sur Hello, les gars, mais c'est quoi le bordel? Vraiment, j'adore la créativité des jeux internet, c'est vraiment un plaisir. C'est un truc qui s'est, je sais pas, qui s'est perdu avec les nouveaux réseaux sociaux, mais qui a vraiment été modifié, parce qu'avant, les gens, ils étaient beaucoup plus amenés à think outside of the box. Ouais, non, je sais, oui, je repars en fuse motivation. Non, mais voilà, j'ai pas envie de faire mon vieux, mais maintenant j'ai 25 ans, il faut que je fasse genre que c'était mieux avant. Bon, fut un temps sur internet où c'était un énorme bordel quand vous vouliez partager quelque chose à vos amis. Bah, vous pouviez échanger un lien, envoyer un texto, envoyer sur Facebook, envoyer sur Twitter, envoyer sur Instagram, sur Reddit, sur Snapchat, sur... Et bah, ce site emmène ça jusqu'à un tout autre extrême. Par exemple, vous pouvez partager ce site en braille, oui, pourquoi pas, sur Airbnb. Eh bah, pas de problème. Je sais ce que vous vous dites. Comment est-ce que vous pourriez vraiment partager ça sur Airbnb? Écoutez-moi. Vous pouvez mettre en location votre maison et couvrir les murs avec cette page. Bon, le mec qui a fait ce site, il se tape quand même des petites barres. Hein. Sachant qu'on peut aussi partager le site en hiéroglyphe, avec des petits dessins, avec des baleines. Ah ouais? Ok, je pense qu'elle kifferait le site. Avec des emojis. On dirait un message de MyBios, le truc. Ou vous pouvez vous contenter de vous abonner à ma chaîne. C'est pas mal aussi. Ok, alors ce site, il est vraiment trop stylé. Il vous permet de faire de la musique avec des inconnus qui sont à l'autre bout du monde. En gros, là, je vais cliquer sur Play Now et ça va automatiquement me mettre dans une room avec d'autres personnes qui sont en train de faire de la musique. Voilà, littéralement. Genre là, moi, par exemple, là, si je clique... Moi, j'aime bien les sites internet comme ça qui permettent de visualiser graphiquement des informations. Après, je sais, je suis relou, je pense que je kiffe trop les cartes en fait. Mais là, ça montre graphiquement les zones les plus peuplées du monde. Genre, New York, ça ressort très 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 clairement, voilà, que New York, c'est extrêmement densément peuplé. Ah, Los Angeles, c'est aussi très peuplé, mais il y a moins de gros pics de densité. Voilà, Paris, 7e ville la plus densément peuplée au monde, quand même, il faut le savoir. Mais alors là, par contre, quand on va aller vers l'est, ça va devenir impressionnant. Hein. Oh là 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 là, l'Inde, il y a tellement de gens en Inde que, évidemment, c'est évident qu'il y allait avoir autant de pics. En Chine, vu que le territoire est extrêmement grand, ça se voit un petit peu moins, mais il y a quand même des grands territoires en Chine qui sont très peu peuplés, hein. Genre là, y'a personne. Vous voulez déprimer? Voilà, ce site s'appelle Days Since Incident. Et en gros, ça vous affiche le nombre de jours qu'il y a eu depuis un incident sur la planète Terre. Voilà, par exemple, le temps qu'il y a eu depuis le dernier tremblement de Terre, et bah c'est 0 jours. Voilà. Il y en a littéralement eu un de magnitude 0,8 il y a 7 minutes. Il y a eu un tsunami il y a 9 jours au Japon, dans les Izu Islands, de 30 cm. Bon, c'est pas fou. 33 jours depuis une éruption volcanique, c'était aux États-Unis. Mais putain, il y a des volcans aux États-Unis, je savais même pas. 72 jours depuis un impact d'astéroïdes. Il y a 640 jours, il y a eu un tsunami de plus de 10 mètres. C'est une dinguerie. Il y a vraiment la liste de toutes les catastrophes dans tous les sens, quoi. Il doit forcément y avoir une catastrophe nucléaire, non? Le dernier, c'était il y a 4600 jours à Fukushima en 2011. Bon, et le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur, mais ce site vous permet de vous mesurer à d'autres gens sur votre vitesse de frappe au clavier. Bon, c'est que des mots en anglais, donc c'est un petit peu galère, mais là je joue contre des gens à l'autre bout du monde qui vont essayer d'aller plus vite que moi. Putain. Ok, allez, je vais gagner les gars, je vais gagner pour vous. Si je gagne, vous êtes obligés de vous abonner, hein. Et c'est une victoire de Fuse! Vous êtes obligé de vous abonner. Pour une fois, c'était pas une vidéo sur Minecraft, mais je pense pas qu'on ait spécialement perdu l'âme de la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, la course de vitesse. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine. À plus.